Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez, pour ma part ça va nickel hein, comme d'habitude. D'autant plus aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Alors excusez-moi, à chaque fois je dis qu'il est 16h mais c'est pas vrai, la vidéo elle sort pas du tout à 16h. Puisque je vous rappelle, tous les jours à 16h, nouvel épisode sur Far Cry 4, voilà pour l'instant promotion. Donc aujourd'hui on est sur Planet Coaster, on continue notre parc d'attraction. Un grand merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo, remise en question, retravail, rechantier. Merci aux copains qui sont passés justement en commentaire, les copains que j'ai mentionnés du coup dans la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder leur travail, c'est absolument incroyable. Et du coup, pour pouvoir recommencer, alors on est tous d'accord que ce coaster là va falloir refaire le layout. Bah, ça tombe bien, regardez, hop, attention. Voilà, c'est la mort totale. Hein. Vous m'aviez même expliqué comment ça fonctionne les G de manière assez simple. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de. Voilà, on peut en apprendre des heures et des heures. Mais la manière la plus simple de savoir que la limite c'est 5-6 G, je sais plus. Mais en tout cas, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est un petit peu trop. Donc on va refaire ça. Retravailler le parc, etc. Pour le rafting, par contre, je sais toujours pas trop comment faire. Même si vos commentaires m'ont un petit peu aidé, j'avoue que je sais pas trop comment faire encore. Mais on n'y est pas encore. Pour avoir un parc d'attractions réaliste et sympathique, il faut commencer par l'entrée. Et donc j'ai recommencé absolument l'entrée, je vais tout vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je suis assez content, c'est pas fini, mais j'en ai pris du temps, j'ai pris énormément de temps. Déjà dans un premier point, j'ai recommencé le parking. J'ai absolument refait tout le parking. Avant en fait c'était des éléments spécifiques. Maintenant bah en fait regardez, ce n'est pas, c'est de la texture en fait maintenant. Donc voilà pour les nouveautés. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Alors je vous rappelle que l'entrée ici pour les visiteurs du jeu, ça je ne changerai pas. C'est le seul truc qu'on peut pas changer. On va dire qu'on va laisser, on va laisser tel quel. Pour l'arrivée des voitures ici d'ailleurs, je sais pas comment on va faire, mais on va faire genre. Le plus important c'est ce qui se passe ici tout simplement hein. Donc voilà. Donc dans l'idée ça n'a pas changé, je veux dire il y a toujours les ralentisseurs, il y a toujours les dodans. Enfin du coup c'est ça ce qui a changé maintenant, c'est que avant c'était le trottoir était surélevé. Donc là d'ailleurs j'ai pas encore fait de trottoir, faudra que je fasse un trottoir probablement. En tout cas voilà, il y a des dodans ici avec le passage piéton. Toujours le même principe hein, c'est-à-dire que les véhicules pour aller au parking c'est par ici. Donc de même pour les bus, après les bus ils pourront faire demi-tour, hop, en faisant le tour à gauche, tac, et puis en partant par là tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des flèches un petit peu partout. D'ailleurs là faudra que je mette un sens interdit, j'ai oublié de le faire. Donc voilà un petit peu comment ça se présente, avec donc des places de parking ici, avec des places de parking là, et puis un circuit, enfin je suis content du parking en vrai de vrai. J'ai changé aussi la couleur des barrières, je les ai mis blanches, comme ça c'est quand même plus sexy. Et voilà tout simplement quoi, hein, au niveau du parking. Voilà, je vais pas vous expliquer le fonctionnement, hein, vous voyez les flèches. Mais voilà, au moins j'ai rajouté aussi de la végétation, les palmiers, voilà, comme ça on est déjà dans l'ambiance tropicale et c'est absolument plaisant. C'est absolument plaisant, j'aime beaucoup en fait ce que j'ai fait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Avec ici des zébras pour pas que les gens se garent là. Ça va être plus réservé au secours, ce petit emplacement. Avec toujours l'espace pour le personnel ici qui peuvent arriver là. Donc il faudra que je change et que je fasse autrement. Hein. C'est pas fini du coup. Là j'ai juste fait le parking. Et un accès ici, hop, qui va mener au parc. Donc peut-être, je sais pas moi, justement, l'accès au secours, etc. Je sais pas trop encore comment. Mais déjà, au moins j'ai l'idée. Au moins j'ai l'idée. Ensuite, au niveau de l'entrée, c'est plutôt pas mal. En fait, je vous explique, je voulais toujours garder cette idée de faire une entrée simple, donc pas avec des vrais bâtiments. Mais en même temps, bah, il faut quand même une certaine structure, quoi. Il faut quand même une certaine... Parce que le truc de base, il était quand même pourri. Je vous invite à regarder de nouveau la précédente vidéo pour vous redonner une idée. Mais là, on a un grand changement. En fait, je me suis... j'ai gardé ma base. J'ai quand même gardé ma base. Donc, avec les structures, le temple, voilà, temple de José, colonne en béton, etc. J'ai gardé cette base et puis j'en ai fait vraiment tout autre avec une structure sur le dessus. Faut vraiment rappeler que c'est un parc tropical dans un endroit qui n'existe pas vraiment. Et donc en fait on va dire qu'il ne pleut jamais. En fait, il n'y a aucun risque de pluie, on va dire. Hein. Bref. Donc pire, on s'en bat les couilles de toute façon si l'eau elle passe. Avec du coup, bah voilà, ici on va pouvoir acheter les billets. Je vais ouvrir d'ailleurs un bâtiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, j'ai spoil. Voilà, j'ai aménagé en fait l'intérieur. Donc je suis assez content. J'ai aménagé l'intérieur, donc c'est pas d'information. Donc avec des casiers, avec la porte, ordinateur, le petit scanner. Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Bref, je sais plus. Je suis un débile pour payer. Bref, tout ça quoi. Voilà, j'ai aménagé ça. J'ai fait ça pour tous. Hein. Je vous montre l'intérieur de celui-ci. Je les ai aménagés chacun différemment. Là il cache un petit peu ce qu'il a pas le droit. Et puis voilà quoi, tout simplement un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais la refermer directement, ça sert à rien de laisser ouvert. Hop,
Voilà pour le point d'information. Mais comment on fait pour acheter si on n'a pas de carte bancaire et qu'on veut du liquide? Enfin, du coup, c'est débile ce que je suis en train de dire. Parce que du coup, pour avoir du liquide, il faut quand même une carte bancaire. Bref, j'ai mis des distributeurs juste là derrière. Avec petite décoration, petite fleur derrière. Pourquoi pas? Je sais pas, j'essaye des trucs. Hein. Avec caméra de surveillance, bien sûr. Ici. Donc, qui permet. Hop, alors attendez, voilà. Qui permet bien sûr de ne pas voir le code entrée, mais qui permet de voir si quelqu'un fait quelque chose de mal. Donc des deux côtés c'est pareil, la caméra elle est là, là c'est pareil, distributeur, avec toujours des limitations ici. Les gens doivent attendre derrière et ne pas pénétrer pendant que quelqu'un est en train de faire quelque chose. Voilà, tout simplement en train de faire son code, etc. Donc voilà un petit peu, déjà ça change un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis... En fait, ce qui m'attriste c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour ça et ça me ferait chier que vous n'aimiez pas. Après, dans le style, j'aime bien. C'est tropical. C'est une autre... Voilà, on n'est pas en ville ou quoi. Donc, c'est différent. Moi, j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aussi, donc là, on continue. Là, je vais avoir besoin de vous également. Bah, pareil, hein, si vous avez des astuces. Là, moi, je suis preneur. Mais moi, je suis content d'avoir... d'avoir mis les détails, quoi. Enfin, d'avoir des détails. Voilà, il y a les formes, quoi. Ça va, madame. Donc, ici, on va pouvoir passer directement les tickets. Donc, soit tout droit. Donc pareil, c'est aménagé à l'intérieur avec petit hot dog froid probablement. Toujours maintenant, donc j'essaye vraiment de faire attention aux détails avec les sorties de secours, avec les alarmes incendie, ce genre de truc. En gros, je vais miser plus petit pour avoir plus de détails plutôt que, comme on l'a expliqué, partir sur un coaster puis après enchaîner sur un autre à l'autre bout du... Et puis au final, délaisser les détails, c'est vraiment nul. Donc là, vraiment, on va faire un maximum. Avec ici les safety information. Alors par contre, vraie question... J'ai en ma possession, comment ça s'appelle là, les tourniquets là? Je sais plus comment ça s'appelle les tourniquets, mais je crois que j'en avais mis un là pour essayer. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bref, j'ai des tourniquets et je sais pas du tout comment faire. Parce que le fameux tourniquet, c'est super large ici quoi. Donc si je mets un tourniquet, attends, je crois que c'est turn quelque chose. Turn, ouais c'est ça. Alors j'ai tourniquet vieillot là et j'ai tourniquet moderne. Ah bon, du coup il est couché. Hop, bougez pas. Voilà, j'ai tourniquet moderne. Mais le problème, voyez-vous, je sais pas comment faire parce que tu vois, je peux le mettre là. Mais du coup là, c'est débile. Je veux dire, c'est trop large. Donc je sais pas du tout. Si vous avez des idées, je suis preneur. J'ai combien de tourniquets? Je ne sais pas, mais j'en ai énormément. Ah, à la limite. Bah non, c'est complètement con. Ouais, puis en plus, c'est débile parce que les gens qui sortiront, ils passeront par là également. Donc les tourniquets c'est peut-être pas pour ici. Ouais bon ok, on met peut-être pas de tourniquet ici. Bref, donc voilà en fait pour l'entrée. C'est à peu près tout et ça m'a pris énormément de temps. C'est vrai que ça paraît pas grand chose, mais en vrai de vrai ça va quoi, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas ça change d'avant quoi. Comme dit, je suis pas un des meilleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai essayé de faire des zébras à ma façon. Je sais pas comment faire. Donc bon, je me suis dit, parce que là tu peux pas mettre de voiture. S'il y en a un qui se gare là, c'est la merde totale. Donc interdiction. Mais ouais, voilà un petit peu pour ça. Là, ce qu'on va faire, on va s'attaquer du coup. Donc là, on va pas s'occuper de l'allée ou quoi, je sais pas quoi, parce qu'on ne sait pas encore comment on va faire. Je pense qu'on va privilégier justement et mettre des boutiques. Alors, c'est vrai qu'il y en a des boutiques. Non, là, c'est restauration. Donc ouais, ça va être juste parfait de mettre des boutiques ici. Peut-être changer de place les toilettes, les rendre plus proches. Parce que c'est vrai que maintenant, bah là, tu vois, t'as les toilettes et puis là, t'as interdiction d'y aller. On va dire que c'était temporaire. Maintenant, on va pouvoir changer la zone des employés, on va pouvoir la faire plus sympathiquement. Plus enfermé et puis voilà, tu vois, les toilettes on pourra vraiment, d'ailleurs c'est vrai que je peux le faire maintenant, mais tu vois, on peut rendre ça comme ça et empêcher les visiteurs d'aller dans cette grande zone qu'on va élargir peut-être. Donc ouais, on va faire tout un truc de boutique et tout, ça peut être plutôt sympa. Là par contre, ce qui va m'intéresser donc dans l'immédiat, ça va être de m'occuper de ce coaster, puisqu'en plus c'est assez emblématique parce que c'est le tout premier coaster que j'avais construit quoi. Donc recommencer dans cet ordre, c'est assez fou quoi, je trouve ça génial. Donc on va non pas le recommencer, mais l'améliorer et changer les layouts. Alors, à tous les coups, je vais quand même un peu le recommencer. Mais par exemple, là, le début ici, on va le garder. Allez, on va commencer de toute façon dès maintenant. Alors, regardons déjà. Ah mince, je suis pas bon. Voilà. Déjà là, si tu regardes, ça me plaît pas là. Déjà là, c'est pas fluide, je comprends pas. Enfin, pourquoi ça secoue comme ça? C'est trop bizarre. Donc déjà là, ça commence très très mal. Donc déjà là, on va pouvoir évidemment commencer à faire quelques petites retouches. De toute façon, je pense que le secret, il est là. Ça va être de commencer par égaliser. Pourtant, j'ai déjà égalisé, vous voyez. C'est ce qui est assez marrant, quoi. Alors, je peux réduire le...
Ah là c'est un petit peu changé. Là j'ai pas l'impression que la courbe elle change hein. Si là ça change, ça y est. Là ça change, mais je pense pas que l'égalisation va jouer un très grand rôle quoi. Alors je veux bien qu'on fasse ça un peu ensemble pour voir. Là je fais pas d'accélérer hein, parce que comme dit pour le moment je reprends pas à zéro. Je vous ferai une accélérée ou une coupure après si je change beaucoup de choses. Mais là c'est juste pour voir ensemble, que je vous montre quand j'égalise quoi. Voilà, bon après on s'en fout puisque de toute façon on va changer. Et si on regarde un petit peu comment c'est foutu là, tu vois, genre sans faire de POV pour le moment. Voilà, quand tu regardes, alors les coaster fans pourront me dire, mais quand je regarde là, en vrai, là c'est censé être fluide. Là normalement il est pas censé y avoir d'à-coup maintenant. Donc on va faire le test. On va faire le test directement. Hop, je me mets dans le train numéro 1. Et on va voir. Non, ça. Bah, on va dire que c'est normal. On va dire que c'est normal. Bon, là, c'est. Laisse tomber. Par contre, du coup, on va pouvoir en profiter. On va le rendre encore plus sensationnel au final. Profitons-en, du coup, maintenant que j'ai plus le recul des choses. Tu vois, genre, justement, ce qu'on a fait avec le Looney Turn ici. Bah, là, on va pouvoir justement profiter de ce. Mais c'est vrai que j'ai fait. Putain, j'ai fait une propulsion. Et je suis même pas monté à plus de. Je sais pas combien de mètres. Je me suis limité de ouf. Faut en profiter, faut faire comme justement avec le Blue Fire ou quoi, tu vois. Bon bah c'est le moment les gars, c'est le moment de tout retoucher. Hop, alors on va laisser ça là en attendant, on va supprimer ici et je vous retrouve juste après dès que j'aurai quelque chose de potentiellement potable. À tout de suite. Allez, je vous propose un petit checkpoint, comme on dit, un petit point de sauvegarde pour voir où c'est qu'on en est au niveau de l'avancée du coaster. Écoutez, je me suis peut-être un peu enflammé. J'avoue, c'est mon défaut. Après, peut-être que vous allez trouver ça excellent. J'en ai absolument aucune idée. Dans tous les cas, tout est amené à changer. Bon, déjà, vous voyez le layout. Si vous vous souvenez de l'ancien layout, à force de l'avoir regardé, bon, vous pouvez constater qu'il n'a absolument plus rien à voir. Bien au contraire. Et bon, alors... Commençons dans l'ordre, on va faire un on-ride. C'est pas du tout fini, vous allez le voir, mais on va faire un on-ride. Mais globalement, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe avec ce train là qui démarre. Donc là, j'ai rien touché, si j'ai encore mieux égalisé. C'est très très fluide maintenant. Avec donc la propulsion. Et cette fois-ci, qui va à gauche et qui monte très très haut et qui va même avoir une bonne vitesse. Vous voyez, très très smooth. Avec une grande descente par ici. Hop 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 hop. Oula, ça passe par ici. Voilà. Je m'y connais pas en termes techniques, donc je vais rien dire. Je vais rien dire, juste là il y a le looping. Voilà, très bien. Une autre propulsion, autant en profiter justement pour refaire un petit peu comme tout à l'heure, mais en moins haut et en plus rapide. Et peut-être qu'à partir de là je me suis un peu trop enflammé. Peut-être que là je me suis trop enflammé. Sachant que là c'est un truc qui est préfet. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, un préfab. Ensuite ça passe ici dans le looping. Et à partir de là, paf, c'est comme avant. C'est-à-dire que là, c'est le même layout que jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai rien touché. J'ai juste agrandi ce looping.
parce qu'il était, on le prenait beaucoup trop rapidement. Sinon, voilà, j'ai rien changé sur la fin. Ouais, alors je vous explique un petit peu. On va faire un on-ride. Vous m'en direz des nouvelles, sachant que là, je sais plus du tout. En fait, j'ai trouvé le coaster assez fluide. Et là, avec le recul, on va voir si je vais le trouver fluide ou pas. Ça se trouve, je vais pas le trouver fluide. En tout cas, sur le début, je le trouve fluide. Avant d'ailleurs de faire le on-ride, juste, j'aimerais vous montrer les jets parce que c'est le truc, je pense, où j'ai voulu m'appliquer le plus. Donc hop, le wagon, il passe là. Donc j'ai essayé de m'appliquer un maximum au niveau des jets pour avoir un maximum de sensations. Vous voyez l'enthousiasme qui est à fond les ballons. Et en même temps pour pas rendre malade les gens ou les faire mourir. Genre là par exemple ce virage il est sec. Et pourtant on dépasse pas les 3,5 G je crois en force. Enfin tout confondu quoi hein. Bref, on dépasse jamais, on va jamais au 4G en fait. Tout simplement on va jamais au 4G globalement. Voilà, vous pouvez vérifier par vous-même les valeurs. Juste ici, comme dit, à partir de là, je sais pas si je vais laisser ou pas. Ça rajoute un côté assez épique, mais en fait, tout a été fait maison, sauf ce truc-là, là, tu vois. Donc voilà, allez, je vous fais le on-ride, assez parlé, vous m'en direz vraiment des nouvelles. Et voyez, la preuve que j'assume maintenant, c'est qu'à chaque fois, je faisais le on-ride avec cette vue-là, parce que c'était la vue la plus smooth. Mais là, le but du jeu, c'est de le faire en vue siège, pour voir si c'est smooth ou pas, et normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais quand même d'ailleurs vous mettre les résultats. Ça va vous permettre de m'aider hein, pour tous les coaster fans. Les amis, j'espère que vous allez apprécier. Hop là. Donc la montée. Donc moi, jusqu'ici, je vais trouver ça fluide. Vous me direz. Hein. Vous me direz, mais là, normalement, ça va. C'est plutôt pas mal. Là, en 80 km/h. Là, ça fait un petit souffle au cœur. Le looping. La propulsion. Bon, faut que j'enlève encore les végétaux, hein, mais vous inquiétez pas. Voilà. C'est pas fini, hein, il manque des supports. Hop là, on se prend un arbre, mais on s'en fout. Et une autre propulsion. Voilà, on est quand même sur de la grande vitesse. Je suis en train de réaliser que dans la vraie vie, ça fait beaucoup un peu. Hein. Et là, ouais, là, je pars en couille. Là, ici, je pars en couille, clairement. Voilà, là, c'est très arcade. Hein. Là, c'est très arcade. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, depuis le point de départ, jusqu'à ici là, avant la dernière propulsion qui fait ce gros truc, je pense que tout est bon. J'arrive pas à rendre mieux ici. Là avec le recul j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Et pourtant bah en vrai de vrai je sais pas, quand je regarde les forces verticales et latérales, y a rien qui me choque quand le train passe. Bah d'ailleurs tout simplement on va refaire passer un train, on va bien voir le comportement qu'il a de nouveau. Mais hop là, là il arrive. Là tu te mets au sol, tu regardes. Ouais, à la limite, tu pourrais l'incliner un peu plus, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que l'incliner, ce serait la solution. Mais à part ça, tout le reste, pour moi, écoutez, ça me paraît assez pas mal, mais je sais pas. Hein. Franchement, à vous de me dire. À vous de me dire. Déjà, moi, un truc dont je suis très content. Eh, mais oui. Ah, mais quand je veux égaliser, à chaque fois, il revient... Non, mais attendez, là, il va se passer quelque chose d'intéressant, là. Bon, j'ai essayé, il n'y a pas trop de airtime. Je sais, j'ai compris maintenant ce qui plaît dans les coasters, hein. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire des petits airtime, mais là c'est pas possible. J'essaierai de corriger certaines choses. Attendez, on va recommencer pour voir ce qui va se passer maintenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah ça y est, j'ai perdu ma phrase. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, bah jusqu'à présent j'ai jamais fait un coaster aussi fluide. Voilà, alors pas parfait, mais j'ai jamais fait un coaster aussi fluide, je trouve. Alors voyons voir maintenant. Ah, c'est un peu plus intéressant là quand même. C'est un peu plus intéressant. Il y a un à-coup quand même, mais après, je pense que les à-coups, c'est pas si grave que ça, en vrai. Les à-coups, c'est pas si grave que ça. Après, je peux tricher et tout sélectionner et égaliser. Ouais, ça change pas l'inclinaison. Donc là, ça peut être pas mal. Oh, attendez, moi, j'aime bien faire ça. Je vais recommencer. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Ok, hop, je me mets dans le wagon. Regardons. Et voilà, messieurs, dames. Bon, là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on est bon. À voir aussi, du coup, peut-être, est-ce que le looping, il faut l'enlever. Plutôt privilégier un truc qui fasse des airtime. Par contre, ça, ce truc-là, je veux le laisser parce que j'aime trop ça. Ça, j'aime trop, là, quand ça passe au-dessus du karting. Là. Je sais pas, j'aime trop. J'aime en plus la forme que ça prend. Tu vois, je sais pas, on dirait des ailes de papillon. Alors, j'aime bien l'idée de faire passer aussi les rails dans ce looping. Mais je suis pas non plus convaincu du looping. Donc peut-être enlever le looping. Peut-être enlever le looping et voilà,
faire un tout droit mais faire du airtime. Je sais pas si ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, j'attends vos retours. J'attends vos retours sur ce nouveau. Sur cette nouvelle façon de... sur ce nouveau layout. Du coup, évidemment, ça change quand même pas mal au niveau de l'entrée du parc. Hein, évidemment, j'ai dû enlever des allées. Mais comme dit, peut-être que je vais enlever ça. C'est peut-être en trop, clairement. C'est peut-être en trop. Réfléchir à faire ça autrement. Mais voilà, je voulais vous montrer les avancées petit à petit, pas à pas. Je pense que... au moins, comme ça, vous voyez les erreurs que je fais et comment je les corrige, etc., etc. Voilà. Voilà les amis, le nouveau layout, ça y est, je pense avoir terminé, ou en tout cas presque terminé. Donc j'ai un petit peu encore, un petit peu beaucoup même, rechangé le parcours. Il n'en a plus rien à voir, hein, vraiment, il n'en a plus rien à voir déjà avec le layout de base et surtout avec le layout que je vous ai présenté juste avant. Je suis assez content, mais je suis encore un peu mitigé à cause des justement ces fameux airtime que je n'arrive pas, en tout cas sur ce coaster, à placer comme je le souhaite. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être... miser sur la vitesse, parce que je me rends compte qu'en vrai de vrai, encore une fois sur le jeu on n'a pas les mêmes ressentis, mais le coaster est quand même ultra rapide et donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas non plus l'occasion de pouvoir faire les airtime que je veux. Mais il n'empêche que ce coaster non plus n'est pas spécialement fait pour les airtime, parce que dans tous les cas, moi je vous rappelle que cette pépite là existe, ce coaster là-bas également. Même si ça va être amené à pouvoir être retravaillé. En tout cas, pour ce coaster-là, ce jungle, je l'ai donc retravaillé avec justement des petites spécificités et normalement encore plus de fluidité qu'avant. Là, on va de nouveau faire un on-ride. Je vais vous remontrer. Mais au niveau donc des changements, j'ai amélioré quelques trajectoires normalement. Ici, j'ai enlevé le looping. Donc là, c'est pareil. J'ai voulu essayer d'en profiter pour faire des hauts-bas. Mais le problème c'est que le coaster va tellement vite que sur cette distance là c'est pas possible de faire un truc sympa, sinon c'est absolument horrible quoi. Donc là j'ai enlevé le gros truc préfet, j'ai relié, j'en ai profité justement pour faire des hauts bas comme j'ai pu, relier avec cette partie qui existait déjà, avec ce premier looping que j'ai agrandi, j'ai ajouté de nouveau une propulsion. J'ai enchaîné avec un deuxième looping et puis justement pour agrandir l'arrivée, pour avoir justement le temps de voir arriver la fin. Et en plus on passe vraiment juste à côté du karting encore une fois de plus, donc c'est assez sympa. Et moi ce qui me fait kiffer aussi c'est l'effet que les rails se mangent entre elles, sans se manger entre elles, enfin tu m'as compris. Mais vous voyez, ça j'aime beaucoup. Et il n'y a aucun risque puisque du coup à aucun moment on est amené à être en contact... Je veux dire, on n'est pas dans le bon sens pour toucher l'autre rail, quoi. Donc c'est cool. Voilà un petit peu, je vais vous faire un petit on-ride. Aussi au niveau des sensas, je voulais montrer les résultats. On est sur un 213 secondes, 1 km de tracé, 94 km/h. Donc en vrai, non, si c'est pas si rapide que ça. Comment ça, force G vertical max 4-5. On les a pas dépassés tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai fait attention à ça exprès. Bon attendez, on va faire le on-ride et on va voir après en détail ce qui va ou ce qui va pas, parce que là j'avoue je suis un petit peu perdu. Je vais mettre allez on est parti. Donc là là j'ai rien touché juste ici, hein, avant la propulsion. Et c'est après que tout change. Ok. Là c'est beaucoup plus fluide là. Là c'est parfait. Là on est bon, hein, on n'a pas atteint les 4G, donc ok c'est pas ici. J'aime bien ce qui se passe. Là non plus c'est bon. Ah, c'est à quel moment qu'on atteint les 4G là? Ici, c'était juste là, je crois. Là, ici, ok, ça devait être là. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, c'était juste pour ça. Donc là, on se retrouve, justement. Alors là, par contre, c'est là qu'on voit, en effet, enfin, vous avez raison, c'est normal que vous avez raison, normalement, les coaster fans, mais enfin, je veux dire,
Là, sachant que les échelles de Planet Coaster sont jamais. Voilà, c'est pas comme en vrai. Mais il n'empêche que là, on voit quand même la différence. L'enthousiasme. Alors, je sais plus à combien on était avant. Mais l'enthousiasme, il est quand même très grand. Pour autant, la nausée, elle est très faible. Et je crois que j'ai jamais réussi à combiner un bel enthousiasme avec une faible nausée. Me semble-t-il, hein, si je regarde même ici, alors peut-être dire des bêtises. Ah bah non, la preuve, non, là c'est bon. Non, j'ai rien dit. Ok. Peut-être ici. Non, je sais pas. Mais non, en tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du layout. Alors, je vous connais, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient les yeux rivés sur les panneaux à droite. Mais en tout cas, je vous invite à revenir en arrière et regarder de nouveau le on-ride sans les valeurs, voir un peu ce que vous en pensez. Comme dit, ça manque peut-être de airtime. Il n'empêche que, en fait, le parcours est quand même long. Je pense qu'on en a pour son pognon, pour le coup. Il est long, on va haut, on va vite. Donc en fait, dans la réalité, en termes de sensations, c'est vraiment sympa. On se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque? Donc c'est plutôt cool. Il manque aussi peut-être des. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Des vrilles, voilà. Il manque peut-être des vrilles. Enfin des tonneaux, voilà, des tonneaux, c'est ça. J'aurais trop aimé faire des tonneaux. Moi, le problème, c'est que je n'arrive pas à les faire. De manière sans utiliser les préfabs, j'arrive pas à faire moi-même les tonneaux parce que ça fait un truc absolument dégueulasse. Et le problème quand j'utilise évidemment les préfabs, c'est que ça doit être absolument en ligne droite. Enfin, je veux dire, là par exemple, je peux pas justement faire un tonneau ici. Alors, on peut essayer. Alors, vous savez quoi? Pour vous montrer, là je vais juste faire un truc. Je vais sauvegarder de nouveau le parc, comme ça j'évite de faire des conneries. Hop, on va venir ici et on va détruire absolument ce qu'on a fait ici là. Hein. Je me suis un peu cassé la tête. C'est-à-dire que là tu vas venir. J'ai déjà essayé hein, me semble-t-il. Hein. C'est que tu vas arriver là. Donc déjà dans un premier temps, il faut absolument faire en sorte que tu ailles tout droit et que tu sois pas incliné. Bon là visiblement c'est pas trop compliqué. Voilà, là ça devrait pas poser trop de problèmes. Et à partir de là, tu vas faire vrille. Et là tu vas faire ton fameux tonneau. Donc. Bah, il est où tonneau? Voilà. Donc tu vas venir faire ton tonneau. Alors là par contre, ouais non là par contre tu vas vomir là. Parce qu'à la vitesse où, justement c'est ça aussi le problème, c'est qu'à la vitesse où on vient ici. Donc là il faut faire un tonneau qui fasse. Voilà, un tonneau qui fasse ça, tu vois. Donc le but c'est de le faire le plus large possible. Et là je suis au max. Et j'ai bien peur que ce soit beaucoup trop serré pour la vitesse. Et une fois que t'arrives là, il faut que t'arrives à relier ce que t'as fait ici. Et moi ce qui m'embête un peu, pour être honnête avec vous, c'est que l'entrée du parc, elle est là quoi. L'entrée du parc, on y arrive. Alors par contre là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, pourquoi je peux pas? Voilà, juste un bug. Donc attendez, moi j'aimerais prendre à partir de là. On va pas se casser la tête parce que là c'est juste un test. Hein. De toute façon, à mon avis, ça va pas rester comme ça si vous voulez mon avis. D'où le fait que j'ai sauvegardé. Donc là, rien. Je vais même pas prendre la tête. Je vais tout sélectionner. Je vais égaliser. Tant pis si c'est pourri. C'est juste pour voir. Hein. Voilà, je vais enlever l'arbre. Hop. Bon, au final, ça dérange même pas tant l'entrée. Hein. Je m'attendais quand même à ce que ça dérange plus. Donc, attendez, je me remets peut-être en question. Manquerait plus que le tonneau soit bien. Et alors là, ce serait excellent. Bon, en tout cas, il en aura connu des retouches, hein, le coaster. Hein. Il en aura connu des retouches, le bug. Donc, hop, on met l'accéléré. Ah, et les. Ouais. Accéléré. Ah. Ok, hop, bouge pas. Tac. Voilà. Regardons un on-ride. On va même pas regarder les résultats, juste voir ce qui se passe là maintenant. Hop. Ok. Alors. En vrai de vrai, ça passe. En vrai de vrai, ça passe en fait. J'aime juste pas à la fin comment c'est naze, mais ça c'est moi ça. Ça c'est moi qui doit rendre ça bien. Mais en vrai de vrai, ça passe. En vrai de vrai, ça passe de ouf. Voilà, je pourrais juste faire un truc qui fasse ça, ça. Alors peut-être pas exagérer des bonnes choses quand même. Hop, oui, comme ça. Tac. À ce moment-là, et comme ça, hop, ça va me permettre de relier ici. Ok, superbe. Ah, en vrai de vrai, ça passe de ouf, hein. Je pensais pas que ça passerait à ce point-là, en fait. Étrange. Étrange. Alors j'aime pas du tout l'inclinaison que ça prend là par contre. Hein?
on va égaliser là parce que du coup j'ai tout déréglé. Vas-y, on va refaire un tour. Ouais, en vrai de vrai ça passe. En vrai de vrai ça passe. Si je regarde là, vu de l'extérieur, ça fait comment? Ah ouais. Ah ouais, ça passe de ouf. Ça passe de ouf. Attendez, je me remets complètement en question sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, alors du coup c'est un préfab, hein. C'est pas moi qui l'ai fait le tonneau, mais bon, quand même. Ok. Ah ouais. Ah ça me plaît là quand même, hein. Enfin moi ça me plaît, hein. Moi ça me plaît de ouf. Alors voyons voir, est-ce que ça va impacter la fin? Je pense pas, parce que niveau vitesse on est pareil. Yes, ok, c'est cool. C'est très très cool ça. Alors aussi j'ai vérifié normalement, parce que bon, on connaît Planet Coaster avec leur support, toujours mieux de les faire soi-même, mais t'as l'impression que c'est proche. Enfin des fois souvent c'est proche, justement des fois c'est mal fait et tu peux te le prendre. Alors là je pense que c'est dangereux. Là je pense que c'est dangereux. Bon déjà de 1 je ne peux rien y faire. Si je peux l'enlever, mais du coup ça flotte dans le vide et moi je sais pas faire les supports moi-même. En tout cas je sais pas les faire de manière réaliste. Je sais juste les camoufler. Par contre en vrai de vrai, vu l'inclinaison, apparemment je crois que ça ne toucherait pas en fait. Je crois que c'est bon à voir. Mais normalement c'est bon. Et puis c'est le seul support dangereux, hein. J'ai quand même fait attention. C'est le seul support qui serait dangereux. Et si on regarde bien, faut s'imaginer les bras. Hop. Voilà. Tu vois, normalement, je dis bien normalement, ton bras, il fait la taille de ton corps plus jusqu'à la jambe. Donc ça veut dire que ton bras, il fait ça. Et donc, il y a quand même de la marge. Et normalement, il n'y a pas des bras qui font plus de... Bref, normalement, c'est pas censé taper. Normalement, c'est pas censé taper si tu sors tes bras. Mais c'est pas pour rien que les règles de sécurité, c'est de ne pas sortir les bras. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Non, non, mais en tout cas, et franchement... En vrai là le coaster, est-ce qu'il est pas génial là comme ça, justement avec le tonneau en plus là. Alors on pourrait en profiter justement pour rajouter du haut bas, mais comme dit c'est pareil. C'est... Eh attendez, bon déjà je suis convaincu, je re-sauvegarde. Attendez, c'est pas fini en fait. C'est pas fini, juste pour voir. M-Colo Passion Airtime, attendez bougez pas, c'est-à-dire que... Hop, il y aura juste que tu dégages toi. Voilà. Donc t'arrives là. Bah après, oublions pas qu'il y a l'entrée juste là. Tu viens là, et hop. Attends. On incline. On incline en même temps. Hein. Et hop. Ah oui, non, là, ça va être compliqué, là. Tu vois, c'est ça le problème. Sachant que là, je le fais de manière très brutale, donc c'est pas terrible. Mais même ça, ça, je veux dire, oh là. Là, je viens de me lancer dans un truc, mon pote. Oh. Non bah tu vois déjà même, tu vois même l'égalisation ne veut pas de ce airtime. Bon on va voir. Hop tonneau. Ah, ah ouais non là. Ah il y avait un truc là hein, mais pas sûr. Pas sûr pour le coup parce que ça va trop vite. En fait si ça allait moins vite, ça aurait été bon tu vois. Je pense hein. Mais vu la vitesse où on va comme dit un peu compliqué. Alors on peut évidemment atténuer peut-être. Ah attendez bougez pas parce que là il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce coaster ne sera jamais terminé. Hein. Ce coaster ne sera jamais terminé, j'annonce. Voyons voir. En vrai de vrai. Alors maintenant, juste si je me fie quand même à l'entrée. Parce que, comme dit, quand tu rentres dans le parc. Ouais. C'est chiant parce que c'est juste devant l'entrée, quoi. Et alors, par contre, je peux pas tout déplacer. Hein. Vraiment, ça va être absolument terrible. Ah, c'est vrai que ça prend beaucoup de place là. Parce que quand c'est plus haut, c'est pas un problème. Mais là, c'est vrai que c'est quand même vachement bas. Hein. C'est vrai que c'est quand même vachement bas. Alors, regardons un petit peu. Tonneau! Ah. Et c'est pas mal du tout ça par contre. Ça c'est du airtime non? Ça c'est du airtime. Ça c'est du airtime. Résultat tac. Les forces bon on est absolument nickel hein. Force verticale en tout cas. Latérale ok. Force G avant. Justement c'est la qu'on s'en prend non même pas. J'y comprends rien du tout. Super super super. Niveau enthousiasme il y a quand même plus de comment ça c'est? Ah oui mais genre SEO. Eh oh. Oh ça eh. Non hein. C'est complètement débile. Non non c'est plutôt pas mal. Et je pense même que les résultats vont être encore mieux. Du coup avec tout ce qu'on a rajouté entre temps non. Pourquoi j'ai pas les résultats? Alors, attends juste voyons voir visuellement à quoi ça ressemble. Waouh.
J'aime bien la sensation que ça fait. Hein. Ça fait un truc aux zizi. Hein. Par contre, pourquoi j'ai pas les résultats à la fin là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez. Ah voilà. Du coup, la nausée a un peu monté, mais l'enthousiasme aussi. La peur aussi. Ah, c'est chouette là comme ça, non? Vous en pensez quoi en vrai? Moi j'aime bien là comme ça. Là j'aime bien. Bon écoutez, de toute façon je vais lire vos commentaires. La vidéo je pense qu'elle est assez longue. J'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout. J'ai hâte de vous lire. Parce que quand même on a vraiment super bien avancé de manière générale hein, sur plein de choses. Et c'est que du kiff. À voir, peut-être je déplacerai le coaster en fonction. Même si c'est un peu compliqué. Mais bon, on verra. On verra. Avec la grue on peut tout faire. Allez les amis, n'oubliez pas le like ou le dislike, le commentaire et l'abonnement. A très vite. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.